Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Donc j'ai vidé le sac poubelle que j'ai rempli, je l'ai vidé pour vous montrer ce que j'ai ramassé. Donc j'ai ramassé tout ça, tout ce qui est par terre, ce que j'ai ramassé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai ramassé, ce que j'ai trouvé par terre. Donc voilà, tout ça c'est les déchets que je trouve par terre, tout ça. Donc ce que j'ai ramassé aussi, j'ai ramassé un bracelet. Ouais. Un joli bracelet. Voilà. Alors c'est assez lourd. Mais je pense que c'est du faux. C'est assez lourd mais je pense que c'est du faux. J'ai trouvé sous le pont, à côté du pont, il y a des gitans. Et je pense que j'avais trouvé ça au niveau des gitans. Donc quoi. Donc j'ai ramassé ça. Donc ça, je vais prendre en photo et je vais garder. Et puis à force de remonter, ramasser des trucs que je trouve en ramassant des déchets par terre, je vais le revendre. Tu vois, je le vendrai à 1 euro ou 2 euros. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un œuf de jouet là où on ouvre et il y a des jeux dedans. Donc pareil, ça j'ai trouvé ça par terre. Et j'ai trouvé aussi un livre. Voilà. J'ai trouvé un livre qui est juste là. Ouais. Qui est abîmé. Je pense que je vais pas le vendre. Je vais voir. Donc il y a un livre pour les petits. Mais je pense que je vais pas le vendre parce qu'il est sale, il a traîné partout. Donc quoi. Donc ça je vais peut-être pas le vendre. Donc quoi. Je vais peut-être le jeter. Et voici ce que j'ai remonté, ce que j'ai ramassé. Bon, j'ai remis la caméra parce qu'il n'y avait pas la focus. Donc voilà ce que j'ai remonté. Il y a de tout. Il y a des bouteilles de cristalline. Il y en a pas mal. Après il y a aussi des bouteilles des canettes de bière. Voilà. Canettes de bière. Une bouteille de bière. Donc voilà. Oasis. Une barquette de kebab. Une barquette de sandwich. Donc des chips là, un masque. Ouais, il y a pas mal de journaux, un journaux, du papier, un vieux sac tout pourri. Donc quoi. Donc voilà ce que j'ai ramassé, tout ça. Donc j'ai fait à peu près une heure de déchets, tout ça c'est.
une heure de déchets, il y a des canettes, il y a des verres en plastique. Voilà, il y a des verres en plastique, donc voilà, donc tout ça je vais ramasser. Tout ça c'est ce que j'ai ramassé, donc voilà, c'est. Il y a quand même du bon boulot. Donc quoi. Et les plus belles trouvailles, c'est ça. Embrasser. Bon, écoutez. Je vais ramasser tout ça. Et je vais jeter dans une poubelle. Donc voilà, je pense que je vais jeter au niveau des camions des gitans. De la côté des la poubelle des gitans, là, je pense que c'est ça. Donc quoi. Allez. Donc je vous dis à toutes, donc la caisse là que j'ai acheté sera chez Lidl, mais vous pouvez en trouver la caisse, vous pouvez en trouver chez Lidl, chez Ikea ou chez Roi Merlin, entre autres Roi Merlin vous pouvez en trouver les caisses comme ça, donc c'est chez Lidl ou Roi Merlin. Donc quoi, c'était une très très bonne caisse pour ramasser les déchets par terre en fumant, donc quoi, vous pouvez mettre les grappins ou les mains, donc quoi. Mon prochain vidéo où je vais ramasser les déchets par terre dans un parc, dans une forêt au bois de Vincennes. Donc quoi. Allez, à toutes. Je vous quitte sur ça. Allez, ciao. N'hésitez pas à être abonné, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et je vous dis à toutes. Prochaine vidéo. Encouragez-moi. Merci à tous.